Voilà tout le monde, on est avec trois membres de l'Afro Social Club. Ils viennent de finir de jouer là sur la scène de la Rock School Barbé pour la fête de la musique 2015. Bonjour les gars, ça va ? Alors, ma première question, qu'est-ce que l'Afrobeat ? Alors, qu'est-ce que l'Afrobeat ? C'est un mouvement de musique qui a été inventé dans les années 70 par un monsieur qui s'appelle Fela Kuti. Voilà, donc c'est un mélange en fait de rythmes traditionnels nigériens, donc Yoruba. Et il a agrémenté de funk et de jazz. Et voilà, c'est un mélange de tout ça, quoi, de rythme Yoruba, de funk, de jazz, voilà, on peut dire ça. D'accord, vous êtes neuf dans le groupe, comment est-ce que vous vous êtes réunis ? Bah, on s'est trouvé en fait, à la base, il y avait 4 personnes, 5 personnes même qui étaient dans un groupe de reggae, Outnumber, pour ceux qui connaissent, ou pas. Et après, ensuite, on est passé par les sites d'annonces, en fait, par des sites d'annonces sur internet, et j'ai trouvé Jérémy là. Et après le groupe s'est fait au fur et à mesure, quoi. Il y a les gens qui sont greffés sur le groupe, quoi. Voilà. Ce qui fait qu'on est neuf aujourd'hui, voire plus des fois. D'accord. Et vous travaillez sur quelque chose, un EP, un album, ou c'est quoi vos priorités à vous ? On a sorti un premier album l'an dernier, Sitting on a Bomb. Et là, l'idée, c'est de continuer à composer pour enregistrer un EP ou un autre album d'ici un an, deux ans. Voilà. On a envie de continuer à composer des nouveaux morceaux. Et... D'accord. Et comment vous êtes arrivé à jouer sur la scène de Barbé ? Je crois qu'il y a le trompettiste qui a rempli un dossier. voilà, un appel à candidature de la mairie. Et après, je crois que c'est les programmateurs qui ont choisi ou qui ont fait leur choix, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a de prévu là, cet été pour vous ? Cet été, je crois qu'on s'en va dans le Jura, ça, à partir du 1er août, ça. On a quelques dates encore, 27 juin on joue aux Arpètes à Villeneuve-d'Ornon, c'est ça ? Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? 4 juillet on sera à Toulouse aussi pour un festival de jonglerie qui s'appelle Boudu la Jongle. 14 juillet aussi on sera à Cussac en Médoc avec Musique Action, avec Musique Action, ouais, pour la première partie de Compay Segundo Grupo. Voilà. Et le 17 juillet nous serons chez Alric pour l'hommage à un musicien nigérien qui vivait ici, qui s'appelait Shigun Damisa, qui a pas mal bossé sur de l'afrobeat ici. Malheureusement, il est décédé, donc on va lui rendre aussi un hommage chez Elric, avec certains de ses anciens musiciens et nous. Voilà. Donc le 17 juillet chez Elric. Et je crois que c'est 7-8 dates, quoi, cet été. Mais comme on est neuf, c'est dur à faire tourner. Comme on tourne, on n'a pas de tourneur, on gère un peu nous-mêmes. Du coup, on doit avoir 3-4 dates dans le coin et 3-4 dates un peu excentrées, quoi. Ça doit être ça. D'accord. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté mon invitation. Et puis, bonne continuation. Merci. Au revoir.